Thank you.
بالخو محمد le métier feutrier, ce travail ensemble artisanal de Marrakech. Le feutre, c'est de la laine d'abord, la laine du moton. Il y a quatre couleurs du moton naturel. J'achète la laine déjà lavée, et sèche la laine, je frappe la laine avec un pas de la poussière par terre, après carder. Jusqu'à le cardage, les femmes c'est carder avec nous. La laine brute naturelle ou la laine colorée d'abord. J'achète la laine brute, après carder à la main, après poser le pisseur ensemble, une par une, après je tire petit bout de laine déjà cardée, colorée, après poser le pisseur, ça dépend pour la taille, pour le couleur. Après du savon noir, et mélange avec la mousse de l'eau. Alors c'est un chiffon en plastique qui mélange du savon. Le savon noir, c'est la base de les déchets de les olives. Chez nous, j'achète pour travailler le feutre, jusqu'à mélanger le couche. Après, continuer frotte plat à la main. Jusqu'à terminer aujourd'hui, ça dépend pour la taille, pour le couleur. Ça dépend pour les choses préparées. Les sacs, les paniers, les chaussons, ceux de plat. Les tapis pour la prière, tapis de sel, tapis pour s'asseoir. Et ce travail, les colliers aussi en feutre. Ce qu'a terminé au début, une couche, après commence, frotte à la main, 3-4 couches du savon, ce qu'a l'air passé, après tourne l'autre côté aussi, après plier le bord, alors jeter la moitié qui se dépasse, quoi, pas cousu, après les chapeaux simulés, entre la forme pour fermer le fond. Plus deux couches d'épaisseur, premier naturel, l'autre coloré, après jeter un petit bon roulé, entre dedans, dans la forme, la moitié, après une couche de savon encore, après continuer frotte jusqu'à bien céder. Après tourne l'autre côté aussi, après l'enlever du moule, après plat, après bien frotte. Ça frotte jusqu'à bien les écailles de la laine se soudent bien ensemble. Après sur la moitié, c'est l'enlever la couche du savon, après rouler à la main, rouler bien, après moller, après nous rasser, avec de l'eau, enlever le savon, après sécher, après terminer le feutre.